Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour réaliser un petit Tsum Tsum Harry Potter en fimo, donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Donc pour commencer vous aurez besoin de fimo Sahara ou couleur chair, enfin quelque chose qui a une couleur de la peau. On va réaliser un léger boudin et on va venir le couper en deux de manière à avoir juste la tête. Donc ça ressemble un peu à un dôme. Ensuite on aura besoin de fimo grise, donc soit vous mélangez du noir et du blanc, soit vous avez directement du gris. Moi j'ai mélangé le noir et le blanc. Et ensuite j'ai réalisé encore un boudin, mais cette fois-ci je les ai bien aplatis des deux côtés de manière à avoir une surface bien bien plate. Et je l'ai placé sur la tête de mon Tsum Tsum. Ensuite on va réaliser le pantalon d'Harry Potter en noir, donc là en fait on vient faire une sorte de dôme, en fait un peu comme la tête de Harry Potter, c'est un peu la même technique. Ensuite on va réaliser son écharpe avec du jaune, donc là on vient prendre une boule et on vient l'aplatir, donc l'aplatissez pas trop finement. Et on vient couper les côtés de manière à avoir des bords bien bien droits. Lorsque c'est fait, je vais placer l'écharpe sur la tête d'Harry Potter, donc entre sa tête et son vêtement, de manière à ce qu'on ne voit aucune délimitation d'un côté ni de l'autre. Et je vais passer encore un petit bout de jaune pour faire semblant que l'écharpe pend un petit peu sur le côté. Ensuite avec deux petites boules de couleur chair, j'ai placé les petites mains devant et j'ai oublié de faire les pieds, j'ai pas montré dans la vidéo mais je l'ai fait en noir à la place du pantalon. Ensuite on va faire les cheveux d'Harry Potter, donc là j'ai pris de la fimo chocolat et j'en fais en fait des sortes de petites gouttes qu'on vient placer un petit peu partout et ensuite par la suite on va venir le texturer. Ensuite vous aurez besoin de deux petits anneaux pour faire les lunettes, donc moi je vais les placer déjà sur mon Harry Potter de manière à avoir un peu la forme sur son visage, mais de toute façon ça va se détacher après la cuisson, il n'y a pas de souci. Donc on va cuire tout ça 30 minutes à 110 degrés. Et donc comme je viens de vous dire, les anneaux se sont évidemment détachés de ma création, mais c'est pas grave du tout, c'est très normal d'ailleurs. On va la coller avec de la colle, donc moi j'utilise de la colle super glue et on vient placer avec un cure-dent légèrement de colle sur les empreintes qu'on avait fait juste avant la cuisson. Si vous n'avez pas d'anneau, vous pouvez bien le faire à la peinture, ça donnera un effet tout aussi joli. Ensuite avec un post-it noir ou de la peinture si vous n'avez pas, on vient en fait mettre un peu de noir sur les lunettes, je trouvais que ça donnait un effet plus réaliste. J'ai ensuite découpé une tige à œil pour en avoir des petits bouts métalliques pour les coller sur les côtés et faire la tige des lunettes. Et avec un Posca noir et blanc, on va faire les yeux. Donc tout d'abord, je fais une boule de noir. Et après avoir réalisé ma boule de noir, en fait, avec mon Posca blanc, je vais faire deux petits points. Donc un peu plus gros que l'autre. Ensuite, je vais réaliser sa petite bouche. D'ailleurs, j'ai oublié de le filmer, mais j'ai fait aussi sa petite cicatrice en rouge. Et avec un Posca rouge, je vais faire les traits rouges sur l'écharpe. Donc moi j'ai décidé de les faire l'écharpe toute jaune et puis rajouter au Posca rouge. Mais si vous n'avez pas de Posca rouge, vous pouvez tout aussi bien mettre des bandes de fimo par-dessus. Mais je trouvais que c'était plus facile comme ça et que ça donnait un résultat plus fini. Et ensuite je vous conseille de vernir votre création afin que la peinture ne parte pas. Et voilà, ce petit Harry Potter Tsum Tsum est déjà terminé. J'espère vraiment vraiment qu'il vous aura plu. N'oubliez pas d'aller voir mon Facebook, mon Instagram et mes précédentes vidéos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye !